أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée. Sungalo Wajuli, si votre chaîne préférée TM1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois d'adoration, un mois de purification, un mois de repentir. Un mois d'adoration, un mois où le musulman renouvelle son engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala et il renforce sa foi et sa spiritualité. Chers frères et sœurs, nous devons beaucoup remercier Dieu le fait qu'il a fait de nous des musulmans. Être musulman, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que l'appartenance à cette grande religion qui est la religion musulmane ne s'acquiert pas par le simple fait d'une naissance seulement. Et ne s'acquiert pas aussi par le fait de porter le nom du musulman. Et ça s'acquiert à travers un engagement, à travers une conviction et à travers un comportement. Être musulman, c'est d'avoir une croyance, comme nous avons dit, conforme à ce qu'il nous a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme contenu de la foi. Être musulman, c'est d'avoir aussi une adoration parfaite, une adoration conforme à ce qui nous a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les moyens définis par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir son agrément. Et aussi être musulman, c'est d'avoir un comportement, une attitude conforme aux enseignements et aux valeurs de l'islam. Et la foi, comme nous avons dit, est articulée sur les six piliers de la foi, qui est la foi à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'existence de Dieu, et Allah, qui est Allah qui a créé l'univers, celui qui mérite d'être adoré, et croire au nom, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la croyance aux anges, et croire aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des livres, et ces livres sont descendus, nous sommes arrivés par l'intermédiaire des messagers et des prophètes, et de croire au jour du jugement dernier qu'après cette vie, il y aura une vie où tout ce qui n'a pas été tranché dans cette vie sera tranché avec justice et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ces jours. Et ensuite, nous devons croire au destin et à la prédestination. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons aborder la croyance aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous a choisi des messagers. Par leur intermédiaire, la révélation nous arrive. Les messagers, c'est des hommes choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les êtres humains, le meilleur d'entre nous, le meilleur parmi les êtres humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour leur confier la transmission de son message. Le Coran nous a rapporté 25 parmi ce que certains disent, plus de 314 ou 300, Allahu A'lam, prophètes et messagers. Le Coran nous a rapporté les noms des 25 parmi ces messagers. Et il y a une différence entre les messagers et un prophète. Tout prophète n'est pas messager, tout messager est prophète. Ce qu'on dit, le prophète Al-Anbiya. Al-Anbiya aussi, c'est des hommes choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et très souvent, ils ont comme occupation de rappeler les gens vers le droit chemin. Certains, ils arrivent pour rappeler aux gens les messages d'un prophète passé. Et ils viennent aussi pour aider les gens pour comprendre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant au messager, celui qui reçoit la révélation, il reçoit le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont l'obligation de transmettre. Donc, un messager, c'est lui qui reçoit une révélation venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et
il reçoit une législation et il reçoit des commandements venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que le Coran nous a rapporté le nom des 25 prophètes messagers. Parmi ces 25 prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi les 5 grands prophètes qu'on appelle Ulul Azmi Mina Rusul. Les 5 grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, et les sceaux des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les 5 grands prophètes messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala sont le prophète Nuh alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Isa alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La particularité de la foi islamique, c'est qu'en tant que musulmans, nous devons croire à l'ensemble des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Nous ne faisons pas cette distinction entre les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous venus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la particularité, chaque messager a eu un message particulier destiné soit à une communauté, destiné soit à un temps bien déterminé. Mais le sceau de ces prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu faire le résumé de tous les autres prophètes qu'ils ont apporté. C'est pour cela, chez nous les musulmans, on respecte tous ces prophètes. Et tu vois que les musulmans donnent le nom de ces prophètes à leurs enfants. Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa alayhi salam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ces prophètes sont respectés en islam. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Rahimallahu akhi Moussa, que Dieu fasse miséricorde sur mon frère Moussa ou sur son frère. Tous les autres prophètes, en tant que musulmans, nous croyons à ces prophètes. C'est la différence, comme le Coran nous dit, Tu'minuna bil kitabi kulli. Nous croyons au livre révélé, comme nous avons dit. Mais nous croyons que la dernière version, la version finale de la révélation, c'est le Coran. De la même manière, nous croyons à tous les messagers sans exception. Et ces messagers sont tous venus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont amené le même message qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la législation qui a différé d'un temps à un autre. Et la dernière version, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Et nous, les musulmans, le prophète Ibrahim alayhi salam, dont presque toutes les religions célestes se réclament d'Ibrahim alayhi salam. Allah nous dit, ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il était musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il a le père des prophètes. Et aussi nous voyons que chacune de nos prières, nous prions sur le prophète Ibrahim alayhi salam à travers la salatul ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, comme tu as fait la prière sur le prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, chers frères et sœurs, cette religion qui est la religion musulmane, nous croyons à tous ces messagers et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu faire la synthèse de leur message et nous montrer la dernière volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons suivre pour réussir dans la vie ici-bas et réussir aussi la vie de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tous ses prophètes. Il avait nommé un de ses fils, Ibrahim alayhi salam. Donc, en tant que musulmans, chers frères et sœurs, nous devons croire à l'ensemble des messagers et que le dernier, le sceau de ces messagers est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde l'amour sincère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous accorde aussi l'amour de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont amené le même message, qui est le message de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unicité de Dieu
Et nous devons respecter tous ces messagers et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu clôturer la scène des prophéties. Après lui, il n'y a pas un autre prophète, il n'y aura pas un autre prophète, il n'y a pas un autre messager, il n'aura pas un autre messager. Il est le sceau des messagers, le sceau des prophètes, qu'Allah nous accorde l'amour sincère du prophète qui nous permette d'être avec lui dans son paradis le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous accorde cela avec sa miséricorde, qui nous aide à suivre sa voie et qui nous aide, Inch'Allah, à boire l'eau de Kawthar avec la main bénie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Wa jazakumullahu khayran. Wa barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaykum.